Allez, c'est l'heure d'aller au lit. On va bientôt éteindre. Allez, extinction. Oh putain. Par ici. Oui, parle en verlan là. Viens avec moi, suivez-moi. Oh non. Je suis pas bien. Oh, Wendigo là. Putain. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Unpentient avec Arken. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors par contre, on a galéré comme des porcs pour mettre en place les branchements avec le Elgato plus PlayStation VR. C'est une catastrophe. Là, on se retrouve pour The Unpentient, donc on va le faire en entier là, parce qu'apparemment, il aurait 2 heures et demie de vie maximum. Hein. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va se passer le VR toutes les 30 minutes en moyenne. Donc, la partie 1 sera principalement sur ma chaîne, la partie 2 sera sur la chaîne d'Arken. Donc, ma petite biche, toi derrière ton écran, Martine, Martin, peu importe. Si tu veux voir la partie 2, tu n'hésites pas à cliquer, hop, sur le petit i qui apparaît là, de ce côté-là. Il apparaît toujours ici. Non! Je ne sais, putain, là ou là, peu importe, Michel, tu appuies sur le petit i et tu accéderas à la partie 2, justement, de la vidéo. Alors, est-ce qu'on commence maintenant? C'est bon? J'ai peur, hein. Mais non. Parce que ce qu'il va y avoir, vu que The Unpentient est la suite de Until Dawn, enfin la suite, non, le préquel de Until Dawn, pardon. Du coup, vu que c'est le préquel d'Until Dawn, je pense qu'il va y avoir des Wendigo et tout ça. Des grandes griffes. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, justement, que The Unpentient, ça se passe où? Ah, au sanatorium de Blackwood Pines. Penses-tu? Tu t'es renseigné, hey toi. T'as pris souvenir. Penses-tu? Édité du coup par Supermassive Game, tout à fait. On connaît bien le jeu. Bon allez, on commence. Bonjour. Testons votre mémoire. Vous rappelez-vous de moi? Je vous repose la question. Vous souvenez-vous de moi? Non, où suis-je? Oh, putain, yes. Je crains que vous ne fassiez un blocage. Laissez vos émotions s'exprimer. Et ma main dans ta gueule, ça va s'exprimer. Alors... C'est pas vrai. J'aurais dû dire où suis-je dans un premier temps, on s'en bat les couilles. Docteur, oui. Ah! Notez ça. J'ai pas vu! Savez-vous pourquoi vous êtes là? Non, je sais pas, vous commencez à me saouler. Je sais pas. Pourquoi je ne peux... Pourquoi je peux pas bouger? Allez. Ces moyens de contention sont pour votre sécurité. Nous non. pouvons vous aider. Quand vous irez mieux, vous serez libre. Ouais, c'est ça, va. Fermez les yeux. Non. Inspirez à fond. Laissez les murs s'évanouir. Tentez de visualiser la dernière chose dont vous vous rappelez avant d'arriver ici. Oh, oh attends, j'ai un problème au moment là. J'ai un petit problème au moment. Elles sont pas inversées. Change de main. Ouais. Oh. Il va falloir mettre des virages. Des sessions supplémentaires seront nécessaires. Alors. Oh putain. Rappelez-vous de quelque chose. Pardon. Mais non, je me souviens pas! Non, je me souviens de rien! Mais non, mais il se fout de même. Ouais, vaguement. Ah. Faites-moi une description. Déjà, c'est qui la dame là-bas, là? C'est incompréhensible. Je me cachais! Ça marche pas, du coup, quand je parle, en fait. Bon, bah, écoute, je me cachais. Ah. Intéressant. Eh, oh, oh! Il semblerait que l'on progresse, docteur. Docteur ? Y a-t-il autre chose? De petits détails, tout a son importance. Oui, vous me faites chier. J'ai vu un homme sans visage. J'ai vu un homme sans visage. Ah, j'ai pas le temps de Nous cliquer. Allons recommencer.
Ah mais non, j'ai les mains... Bon. Allez. Détendez-vous, inspirez à fond. Non, on pense plus le début. Repensez à ce moment et concentrez-vous. Il est important d'affronter la vérité, malgré la peur ou la colère qu'elle vous inspire. Ouvrons la porte. J'ai un petit problème de main, on voit qu'il y a un problème là du coup. Oh, hey, oh! Parce que normalement, elles sont bien, normalement c'est bien la gauche et la droite celle-là. Ouais, là, ouais, c'est bon. De quoi vous rappelez-vous? Ce souvenir était plus court. Je me souviens de la même chose. La même chose? Pareil? Développez, je vous prie. Ouais, bah moi vous... Le moindre détail peut avoir son importance. Attends, t'as de la chance que je sois attachée parce que j'aimerais bien développer, hein. Quelqu'un venait me chercher. Je portais un uniforme de docteur. Ou quelqu'un venait me chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Ce traitement est efficace, mais... Arrête! Stressant. Recule. Une surexposition pourrait influencer vos souvenirs. Vous imaginez peut-être des choses qui ne sont pas réelles. Par contre, c'est dommage que les phrases bougent comme ça, là. Je sais que ça n'a pas été facile. Ouais, oh, mais j'aimerais réessayer une... T'es du viol, ça? Vous pensez pouvoir y arriver? Non! Je ne pense pas y arriver. Bien, d'accord. Stop! J'en ai assez! Je veux dire stop, c'est bon, eh oh, j'ai faim moi. Cette méthode peut s'avérer très efficace, non, mais également difficile. Ne touchez pas. Vous mettez des coups de pied dans les reins. Une dernière chose. J'ai mes pieds, hein. C'est la clé du succès de ce traitement. Et ça... Vous comprenez que je ne veux que votre non. bien. Ouais, bah je commence à avoir des doutes, hein. Mais ça ne m'aide pas. Oui, je vous crois. Je vous crois, hein. C'est bien parce que c'est vous que j'ai faim. Sachez que nous avons fait de grands progrès aujourd'hui. Il faut apprendre à marcher avant de savoir ramper. Ah, bon bah. Ça peut me servir peut-être. Ouais, je vous vois. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Picou. Ah, j'aime pas les piqûres, hein! Vous me touchez pas ça, vous me mettez pas ça! Il vous faut du repos pour guérir. Oh putain! Laissez les souvenirs revenir. Putain, enlève ta merde! Ça va vous aider. Ah! Oh. Un infirmier va vous accompagner. Le meuf hyper RP. Infirmier, Je suis une patiente. Alors, ça va mieux? Tiens, c'est le mec de Aiden Agenda. Putain, j'en démords pas, hein. C'est le gars d'Aiden Agenda. Je suis en pleine forme. Je vous connais? Eh, mais je te connais, toi, t'étais le connard des rêves. Je te connais, toi. Vous ne vous rappelez pas de votre vieux pote Aiden? Si. Ed. Il a une amnésie persiste. Non. C'est l'heure de vous remettre sur l'étagère. Le vieux Bragg aime bien démonter ses jouets, juste pour voir s'il peut les réparer. J'espère qu'il perd pas la main. Ah, l'effet papillon! Pas de bordel d'un minuscule papillon aujourd'hui peut... Ok, bon, en gros, Until Dawn. C'est exactement, je crois, la même cinématique qu'Until Dawn. Ah, ça, ça fait zizir, hein! Hey, bonjour. Salut. Suzanne. Hey, Emily. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Elle aime pas un regard. Elle t'aime pas. Toutes les filles sont pareilles ou c'est juste moi? Non, c'est toi qui con. C'est ta gueule. Mais c'était moche. Moi, je vous trouve charmant. Seulement plus intelligent. Non. C'est vraiment sympa de dire ça. Ah, je suis content qu'il y ait au moins une femme qui me prenne au sérieux. Hey. Même si vous êtes pas très en forme. Oh l'enculé! Eh, ça c'est méchant ça! Eh, si je peux me permettre, quand même il y a des clés qui se perdraient! Regarde devant toi! Pardon. Mais quand même! Connard. Ah, on s'amuse, hein! Y'a pas de doute! C'est bien, Rush of Blood! J'arrive pas à lire. Vos actions décideront
de la manière dont j'arrive pas à lire. Donc l'histoire va se dérouler. Ah, ok, merci. Tu es mon compteur. Allez, je vais nous appeler un taxi. Ah, ça fait plaisir, hein. Tiens, vous étiez là. Pharmacie, traitement, observation. Ah, pardon. Quel est cet endroit? Quel est cet endroit? Bonjour, ça vous arrive de sortir? Nous nous trouvons dans le célèbre hôtel et sanatorium de Blackwood. Ah, un hôtel? Mais pas trop dans la partie hôtel. Plus dans le sanatorium. Ah, bah voilà. Si je peux te permettre, dans 60 ans, il va arriver une couille. Qui suis-je? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et voilà, retour à la suite présidentielle. Ne soyons pas en retard pour votre séance de spa. Vous croyez que Bragg aurait investi un peu? Au moins pour le personnel. Regardez ça, l'endroit tombe en ruine. Ah, tu sais que ça me donne envie de vomir. Oh la vache! Regarde tes pieds. T'as même pas de chaussettes. Grave. On a dû vous donner un truc costaud. Vous êtes dans un bel état. Ah, eh, vous me trouvez toujours à votre goût. Oh bah, de retour, Emily. Ah non. Ah, ça me donne envie de vomir. Oh la gerbe. Abe, à demain. Ah, le devoir m'appelle. Donc on me laisse là comme une merde, en fait, moi. D'accord. Bon. On regarde un petit peu ce qu'il y a autour. C'est pas réel. C'est réel. Monsieur Bello, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Plus vous agiterez, et pire ça sera. Ouais, elle a le coup de main. Et elle est plutôt maligne. AB. Bon, on a assez rigolé. Your story is one of many possibilities. Oui, promis, je réfléchis bien. Oh, j'ai mis 20 mois de ça. Oh, non, ça n'aime pas les trucs comme ça. Ah, vous revoilà. Vous avez tourné de l'œil, rien de grave. Ouais, ça fait partie du traitement. Non. Vous êtes presque de retour dans vos pénates. Quoi? Commencez pas à m'emmerder, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a eu un bruit bizarre? Ouais, mais c'était la console, ça. Tout va bien. Regardez-moi. Arrêtez, ça suffit ici, hein! Tout ne me touche! Allez, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Allez, extinction! Non. J'aimerais bien me lever, moi. J'aime pas du tout pour le moment comment ça fait. De quoi? Bah, ça s'éteint, tu vois rien, ça revient. Allez! Le soleil brille, c'est une nouvelle journée qui commence. Allez, allez! Hop, 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 on se lève! Debout là-dedans. Il y a un papier là. Jetez donc un coup d'œil. Profitez donc de la vue. Ah bah c'est bien, on s'amuse, hein. Ah, il neige. J'adore la neige. Vous le saviez? J'en étais sûr. J'avais misé sur vous. Vous allez me rendre riche. Quoi? Voiture à pneus blancs et 3 martinis au déjeuner. Maintenant, marchez. Venez voir papa. Et la pédophilie, sinon, ça se passe comment? Appuyez sur... Non. Voilà, c'est bien. Oh, comment continuez comme ça. Ça va? Ça m'a donné envie de vomir. Tu vois, c'est les déplacements, par contre. Attends, je vais essayer parce que... genre, les déplacements, ça sera comme ça en jeu? Bah, oui. Putain, mec, je te jure, ça me donne... C'est très bien. Ah, ça me donne envie de vomir. Faut que je ferme à moitié les yeux. Wow. Le triathlon, c'est pour bientôt. Je vais essayer de plisser les yeux pour voir. Maintenant, retournez à votre lit. Comment j'y fais? Pointez la manette à droite.
de droite, derrière vous. Comment ça, derrière moi, comme ça? Vas-y, ouais. Ouais, tu vois, ça tu fais les retours. J'ai un problème de bras. Ah, wow! Arrête de te retourner, fais des demi-tours avec. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, je suis droite là, c'est bon, merci. Ouais. C'est du coup, je perds le. Bon. Oula! T'as vu ce qu'il a fait? Eh, oh! Cochon. Vous n'auriez pas trouvé un bout de papier avec. Mes. Notes marquées dessus? Attention. Elles sont juste là? Et comment? Elles sont juste là. Elles sont là, Michel. Et je vois tout flou, là, par contre. Vous avez lu mes notes? Non, je ferais pas ça. Vous êtes un poète. Il disait quoi dans ses notes, d'ailleurs? Je me souviens même plus. Oh, bravo. Non, mais je ferais pas ça. Ouais, je ferais pas ça. Eh bien, ce n'était pas... Enfin, ça ne devait pas être lu, c'est... Rien, de toute façon. J'apprécierais beaucoup que vous n'en parliez à personne, d'accord? Ouais. Même pas Suzanne l'infirmière! Je sais garder un secret. Allez, on est gentil. Je sais garder un secret, Michel. J'avoue que je suis bien soulagé. Ah, je me sens mieux. Bon, en gros, c'est une note d'amour, quoi. En tout cas, je vous en dois une. Allez, c'est l'heure d'aller au lit. On va bientôt éteindre. Allez, extinction. Oh putain. Il fallait le faire. Alors non, on n'a pas regardé le jeu, je n'ai pas regardé de gameplay sur le jeu seulement, en fait, pour regarder la qualité du jeu. On a été voir un gameplay avec Arkane, et malheureusement, on est pile tombé sur ce passage-là. Donc en fait, je savais que ça allait arriver, mais c'est tout sinon. Ouais, oui. Ouais, par ici. Oui, parle en verlan, là. Viens avec moi, suivez-moi. Oh non. Je suis pas bien. Oh, Wendigo, là. Putain. Ah, je suis pas bien. Alors, attends. Attends, par contre, elle... Voilà, c'est ça, soit je vais... Oh! Qu'est-ce qu'il y a en face? Prendre la porte qui est là. Pourquoi il me re... Ah, c'est en face. Oh, putain. Hé, hey, oh! Y'a marre, hein? Bonjour à vous. Oui. Ah putain, ça va déjà mieux. Je crois qu'il a dû rebouger entre temps. Alors, qui est-ce? Bonjour. C'est mieux avec ça. Tant pis, hein, je pourrais plus me... Oh eh, psst. J'ai vu un petit peu ce qui est marqué AB. Et franchement... hein. Votre état est très encourageant. Vous êtes sur la voie d'une guérison complète. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Par mon coup, il a Michel. Bien sûr, il y a toujours des patients pour lesquels on ne pourra jamais rien faire. J'ai un cheveu dans la main, je sais que vous voulez seulement aller mieux. Vous devriez faire connaissance. Ok. Bonjour. Tu vois, ça c'est chiant par contre le truc. Oh la vache. Eh, j'y arrive pas. Hein. J'ai hâte de voir si toi tu vas avoir envie de dégueuler ou pas. Je pense, oui. Donc en gros, c'est juste ça. Bah en gros, c'est quand tu fais ça, tu retournes donc, OK.
Et là... Elle a bouffé. En fait, en gros, il faut... Mais comment je mange? Faut pas mettre plus haut, hein. Après, je me prends dans le casque. Ah! Ah! Eh, machine! Ok, bon, si on doit rester bloqué ici ensemble, autant apprendre à faire connaissance. Ah, ce qui vous amène dans cet endroit. Ah, c'est pourri les déplacements, tu verras. Je suis amnésique. Je suis en vacances. On va dire. Je suis amnésique. Ouais, moi aussi. Sauf qu'en fait, c'est complètement faux. Je suis solide, mais ça ne les empêche pas de m'administrer leur fabuleux traitement. Et ces traitements, on s'y habitue avec le temps? Alors, oh, je l'espère, ou ils ont l'air barbares. Ouais, des connards. Je sais pas si je vais tenir. Putain. Moi, c'est Anna. Et vous, c'est comment? Elsa, enchantée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne me souviens pas. Je ne sais pas. Je... Ah. Ah. Oh. J'imagine qu'il faut que ça empire avant de s'améliorer. T'es fait mort, bref, toi? J'ai besoin de me reposer. À plus tard. Du coup, tu peux plus bouger les mains, quoi. Putain. La feuille. Ah. L'attraper. 29 janvier. Février approche à grands pas. C'est une année bissextile, une journée supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Il paraît qu'on peut faire des choses incroyables lors des journées bissextiles. Comme, une femme qui demande la main d'un homme. C'est fou, non? Ouais. Comment ça va? Putain, vous avez eu le sommeil plutôt agité cette nuit. Ah, par contre, j'aime pas trop comment elle me regarde, là. Je voulais vous dire, je ne veux pas que vous vous fassiez de fausses idées sur moi. Je ne sais pas ce qu'ils me font, mais je ne me sens pas moi-même. Je crois que... Bonjour, mesdames. Comment est-ce que je vais sortir d'ici? Le docteur Brack s'occupe de vous personnellement. Pour le moment, faites comme chez vous. Je voulais montrer du doigt Bragg. Bragg, c'est dans Until Dawn. Quand il prend les papiers, docteur Bragg. C'est le vieux. Le vieux. Connasse. On se pute. Vous pensez quoi d'elle? Bah, elle m'a rien fait en soi. J'aime bien. Bof, pas grand chose. Je crois que la mère supérieure ferait mieux de se calmer un peu. Putain. Bon. Non. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'on était affamés. Je... C'est bien, c'est très bien. Merci. Si je puis me permettre, monsieur Abbé est amoureux de vous. Mais bon, entre une... Ok, c'est bon, connasse, va. Putain. Bise de merde. Eh ben, tu sais quoi? C'est à toi, là. Parce que je vais dégueuler. Tiens. Je vais dégueuler, mec. Allez. Parti. Je pense que tu vas avoir envie de gerber. Femme, ça me dépasse. Oh, putain. Ah, oh, ça faisait longtemps. Vas-y, va jusqu'au sandwich. Il va avoir envie de dégueuler. Hein. J'ai l'impression de marcher sur de la glace, là. Putain. Ce truc vous tuez. Attends, j'ai mangé quand même. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas combien de temps je pourrais supporter ça. Non, mais bon, t'as plus besoin. Dites-moi, vous voulez sortir? Le plein gré, c'est des conneries, hein? De quoi? Je sais même pas ce qu'il y a marqué. Je ferai. Moi, je peux pas lire d'ici. Je ferai. Avance vers elle. Attends, j'arrive. Je ferai mieux de rester. Ah, on est bien ici. Hein. Plutôt est possible.
le plus tôt possible. Quoi ? Vous renoncez à cette cuisine 3 étoiles ? On sent prisonnier, hein ? On est tous prisonniers ici, plus ou moins. Et sinon, le traitement vous fait un peu d'effet ? Il me fait de l'effet, oui. Ah, tu sais pas, ma mignonne, hein ? J'ai vraiment plus de souvenirs. Tu sais que j'arrive pas à lire, faudra que t'avances, hein. Pour que les viewers ils puissent plus lire. Dites-moi comment vous avez atterri ici. Allez, dis-moi, raconte-moi ton histoire. On ne m'a pas vraiment donné le choix. Je... Laissez tomber, je n'ai pas envie d'en parler. Mais moi, je veux, je te pose la question. Elle était cool, cette interaction, y a pas de doute, hein. C'est clair. La meuf, bouffez pas trop de ce truc, ça vous tuera, elle fait que de le bouffer. Ouais. Sont des mots de merde. Et puis tu pues des pieds. Tu pues des pieds. Tu pues des yep. Dégueulasse. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Oh putain. Ah, t'as vu? Attends, on va tourner les deux. Ah, pas t'avances vers ton pieu là. Oh putain, là, j'ai la tête qui tourne. Oui. Oh! Bon sang, Victoria, quand est-ce que je vais pouvoir sortir d'ici? Pète-lui la gueule! Désolée, je ne sais pas. Arrêtez, vous m'aviez dit que vous seriez. C'est une pute! Brag aimerait vous garder encore un peu ici. Garde tout le monde. Encore 2-3 ans, ça ira mieux. Dites à Brag que j'en ai marre. Et dites-lui bien que c'est au mois de janvier, hein, je crois. Là. Bien. Ouais. C'est au mois de février quand ça part en couille. D'accord. Je lui dirai. Esclave! Non mais la pauvre, regarde! Elle la meuf, comme une merde. Elle emmène les sandwichs et elle se fait défoncer! Pas gentil! Quelle petite merde! Et toi, par contre, t'as calmé, hein! Je vais te péter la gueule, si je me lève, je te pète la gueule! Vas-y, vas-y, dis-lui! Hostilité, attends! Avance, j'arrive pas à lire! Je ne peux pas! Oh putain! C'est quoi votre problème? Tiens! T'as pas le temps de lire? Cinglé pour faire confiance à quelqu'un. Mais l'autre? Mais je m'en fous, je voulais être hostile! Oh non mais! Si tu parles mal, je te pète la elle gueule! Elle ramène encore un! La porte est ouverte, elle va se lever! Oh oh oh! Ça part en couille! Excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez-moi, à mort! Pourquoi je vois plus rien? Ah, je suis debout! Attends, je suis debout! Ouais, attends, je t'ai levé. Bah, au sandwich! Attends, Ah, pourquoi je vais là-bas? Là, t'as que t'es plus tout droit, hein. Là, t'es droit. Je vais prendre la tasse à. Mais! T'as vu comment c'est chiant? Je veux la tasse à café. Elle te pète la gueule avec. Venez voir ici. Oh putain, la connasse. C'est dégueulasse. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voyez-vous ça. Ce qu'il y a. Brag a dit que le traitement devrait faire effet. Il suffit d'un peu de patience. Fais ma gueule, toi. Tu vas la fermer ta gueule, hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est autant le branle-bas de combat juste pour un patient évadé. Il y en a au moins un par semaine qui se fait la malle. Ils le reprennent toujours en 5 minutes ouais. Chrono. Sauf que celui-là, ça a pas l'air d'être un patient comme les autres. Ça a l'air pire que ça, ça pourrait nous arriver à nous. Bon, ça a l'air pire que ça, hein. Ouais. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bon, je ne sais pas. Quelque chose avec des griffes, peut-être? Une grande créature. Je ne sais pas, j'espère que vous avez raison. Quelque chose cloche. N'oubliez pas où on est. Bien sûr qu'il y a. Mange ton sandwich avant, mange ton sandwich. Oh non, mais ouais. J'ai déjà entendu ça dans un rêve parce que. Oui, genre, ça n'a pas l'air humain, le mec. Prendre pour une folle. Grave. J'ai besoin d'un moment. J'aime bien dire prendre pour une folle. Je réfléchis. Grave. Je suis dans mon rôle. Tu réfléchis sur ton genou? Hein, que le déplacement est pourri. Ouais, j'ai envie de dégueuler. Allez, c'est bon, on est. Vas-y, mange le sandwich, Mais non, putain. Oh, putain, allez, putain. Bonne année, ma biche. Chacun son tour, hein. Attends, je suis en face, ouais. Non, pas du tout. Là, c'est bon. Merci. Pourquoi y'a un connard en face, déjà? Ah, putain. Connasse. T'as une chaise roulante ou quoi? Moi que dalle. Oh là, j'ai une blouse. Ah ouais. Ah, de détenu, on dirait, non? Ouais, un peu, ouais.
Mais c'est pas la bouse Black... de façon Blackwood. Bah Mountain là. Ouais, ouais c'est ça. Mais je crois que c'est la... Oh là là, mec. C'est quoi? Ah c'est, ah, la... c'est la meuf. C'est la Craig. Oh putain. On la connaît le coup des cellules. Oh là là. Allez, je me casse, salut hein. Allez. Allez, je m'en vais hein. Oh putain. Oh oula. T'as une croix. Il y a une croix. Ah, il était déjà Pierre Benoît. Je vois rien par contre. C'est très sombre, même là moi je vois pas grand chose. Oh, oh putain, putain. La porte. Oh. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ça va te péter à la gueule. Le mec se retrouve contre le mur. Elle est plus là. Oh grave. Elle a disparu. Je suis en train de regarder la porte comme des bolos. Je vois que dalle. À la porte. Oh, oh putain. Oh putain. Un peu de lumière. Oh là, la porte. Oh putain. Ah. Oh putain. L'exorciste. Oh, putain. Elle va gueuler là. Oh. Ah mon dieu, oh. C'est dégueulasse. Elle se transformait. Ça va. Ah c'est moi qui ai eu le pire quand même hein. Ouais, pour le moment. Tu es un beau jumpscare. Vous dormiez comme la mort. En parlant de mort, c'est bien, parce que je vous avais vu dans mon rêve. Ça fait deux jours qu'ils ne sont pas venus. Rien depuis deux jours. Ils ont séparé en fait. Oh, la gueule, regarde la gueule qu'elle a. T'es défoncé. Et où la drogue, c'est mal, vous voyez. Oui, ouais, j'en ai la certitude, peut-être, peut-être pas. Je doute. Ouais, vas-y. Je non. doute. Non, ils vont revenir. Ouais, ouais. Oui, je vais te répondre. Ils vont gérer la situation, quelle qu'elle soit. Il y a toujours un plan de secours, vous verrez. Mmh. On va avoir besoin de nourriture. On ne peut pas faire les difficiles. Ah bah tiens, c'est bizarre, ils sont dans du sous des bouts, on en veut plus là. Hein. Ouais, ouais. Enfin, on en veut. Ah cherche. Elle cherche des trucs à bouffer. Par terre. Ah, elle va te ramener une un rat crevé ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, t'as vu toi aussi, tu galères. Tu veux rester avec les moves? Non. Mais bon, je trouve que c'est la merde. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, ah, Dieu, merci. On dirait que j'ai touché le jackpot. Ah, là quoi? Okay. Un poil pubien ou quoi? C'est quoi? Un bout de pain de 3 semaines. Ah. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai faim. Ah bah ouais. Ouais, tu commences à me faire flipper par contre. Ouais, de ouf. Regarde autour de toi si t'as c'est pas des trucs à ramasser. C'est le meilleur pain que j'ai jamais mangé. C'est le meilleur pain. Même s'il est dur comme de la pierre. C'est quoi là sur le mur? Reposez. Sur le mur, elle a écrit des trucs, c'était déjà gardez ou pas? Gardez votre énergie. Ouais, non. Ils viendront bientôt nous chercher. Il y a des trucs, ok. Oh, il y a des mots. Alors, par contre, à gauche, je crois que t'as un papier sur la table. Ah non, c'est plateau. Par contre, on dirait que tu peux interagir avec la porte. Hey, lâchez-moi. Vous. Mais pourquoi vous me faites ça? What? Qu'est-ce qui se passe? En gros, t'es déjà en train de dormir. On va retourner à la fenêtre et puis s'il y a rien, tu vas te coucher. En fait, c'est vraiment des petits passages. Ouais. T'es moitié morte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'assommer. Allez. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Allez, un peu d'infos, hein. Pour les évasions. Il y a un groupe de patients ingérables arrivés récemment. De vrais désaxés. Je pense que c'est pour l'un d'eux. L'équipe de Blackwood peut gérer un fuyard. Et on est au sommet d'une montagne en plein hiver. Personne ne va très loin, par mon garde. Ah, je confirme. On va gérer le problème, comme toujours. Est-ce que ça va? Oh bah impeccable. Je suis jamais sorti si bien. Je fais des rêves bizarres, je me souviens de choses. Allez, je me souviens ouais, de quelque ouais, chose. Ouais, ouais, parce que les rêves, on s'en fout, ils commencent à me gonfler. Des souvenirs? Quel genre de souvenirs? Tu étais pris pour ma psychiatre hein. Grave, putain. Je crois que je suis... docteur. Ouais, je les comprends pas encore. Ouais. Hein. Pas je suis pas tout à fait sûr. Hein. Dormons un peu, d'accord? Sans rêver, si possible. Et si tu t'en bats les couilles de ce que je dis, tu peux me le dire. Hein. Bon, bah, je vais me coucher. Bon, bah, je vais me coucher. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Hé hey. Venez ici, mon Dieu. Vous ouais, me dégoûtez, ma couille. Moulin! Hé, hey, me laissez pas ici! Me faites pas ça!
Je suis pas censée être là. Bordel! J'arrive pas à y croire. Putain, ils m'ont laissé ici toute une semaine. Ça, c'est à cause de Bragg. C'est du Bragg tout craché. Ce connard de menteur. Faut qu'elle arrête de l'insulter. Elle alors, comme ça, il croit qu'il peut me jeter comme un vieux déchet. Eh bien, il va vraiment attend. Merde, celle qui a pris la cuillère! Elle te fout un coup de cuillère! Ah putain, mais j'étais en train de la prendre, elle se fout de ma gueule! Moi aussi, je veux faire des dessins. Elle essaye de décoller le carrelage plutôt, non? Qu'est-ce que tu fais? J'ai presque sorti une brique avec cette cuillère. On va y arriver, pareil. Elle est en train de se transformer. Mépris ou bonne idée. Ouais, je dirais ça marchera jamais. Je l'ai ambitieux. Tu vas dans son sens? Ouais, je vais la laisser faire son truc. Ouais, wouhou! Bien. Oui. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Vas-y, racle les murs, t'as raison. Racle les murs. Elle va y arriver, je suis sûr. Ah bah oui. Ouais. Elle a encore 1450 briques et on est bon. Oh putain! Qu'est-ce que vous avez fait? C'était notre seule chance. J'ai fait quoi? Oh, fais gaffe, doucement, doucement. Calmez-vous ou... Oh, toutes mes excuses. Calmez-vous, moi je dis tu te calmes. Calme-toi, hein. Calme, moi. Mais c'est quoi votre problème? Je te pétais la gueule, moi. Vous essayez de me tuer ou quoi? Complètement malade, eh oh. On a rien fait. Oh! Oh! Non mais... Elle t'a mis un pain, la pute. Salope. Je vais te péter la gueule. Oh non. Oh la vache. Allez, respire. Bon, je peux ramasser une batte. Ah, j'ai une lampe torche. Ah, mais là, ça va être la merde. Putain. Eh bah, tu veux qu'on reprenne les... Non? Non, je fous. Ouais, je veux juste faire ça en même temps. Y'a quoi en face? Y'a un truc chelou, non? Ouais, merci. Suivons les belles traces. Et là, comment tu fais pour avancer? T'as pas... Oh! Ah, ok. Voilà. Entrez. 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 Vous êtes enfin là. Wow. Il va m'arriver un truc. Tout le temps, hein. Voilà, il... Ah putain! Il y avait un cadavre par terre, ouais. Je vais foutre le camp d'ici. Putain, c'est pourri la maniabilité, hein. Ouais, c'est pas ouf, putain. Oh, il y a un cadavre. Ah, je suis dans la mort. Je suis très content. Le traitement fonctionne. J'en suis certain. C'est un immense progrès. À ta gauche! C'est pas la. C'est la morgue où il y a Mike! C'est la morgue! Tu sais? Oui, c'est la morgue, oui. Où il y a Mike dans une file d'armes! Tu crois que c'est là? Oui, c'est là! Vas-y, va encore à gauche! Je suis sûr! Regarde! C'est quoi ces bruits de merde là? Vas-y, va contre les casiers! Ah, il y a une bestiole au fond là-bas! Quoi? Là-bas, regarde! Je la vois pas, c'est tellement flou! Tu veux pas tenter d'aller dans les casiers, voir s'il y a pas quelque chose? J'ai pas d'interaction. Pourquoi tu bouges la manette de gauche à... Ah, mais par rapport c'est à la lumière. La lumière. Ah bon, bah non, bah laisse tomber. Non, non, y'a rien. Et c'est les casiers où y'a Mike. Putain. Respire. Bah, je trouve que j'ai envie de dégueuler. Qu'est-ce que c'est en face? Oh, c'est un loup. Je sais pas, on dirait. Le loup de Mike. Tout est lié, tu vois. Non, mais là, tu vas loin. Il a plus de 60 ans, ce loup-là. Ah, oh, ça pue la merde. Il y a deux bestioles. Il y a un petit truc en bas à droite, ouais. Il y a une poule? Un canard? Une poule? Oh! Oh, c'était un singe! Oh, c'est un bébé Nico. Oh, c'est soit tu suis le loup, soit tu suis le singe. Ouh, je sais pas ce que c'était. Moi, je vais voir le loup, hein. Tu suis le loup? La petite merde là, c'est genre, ouais, c'est tout petit, c'est mignon. Puis en fait, ça te crache à la gueule, ça te fait tout. Non, non, non. Ah! Il y a encore un cadavre. Il va disparaître. C'est dégueulasse, hein. Suspense, hein.